Ça, il m'aime pas. Ah non, non, je plaisante pas. Non, je dis, on le savait pas. Ah, les matchs, ils arrivent. Ouais, ouais. Voilà. Il tape à la porte, là. Ouais, c'est ça. Vous pouvez venir commenter, il y a un match, là. On aimerait que vous soyez là, Nani, Nana. Ah. Ah, un peu de nature. Allez, reprenons nos esprits, attention, Sportaz, attention! Oui, vous me demandez de fermer, hein, fermer le rideau. Nous allons fermer le rideau. Dans quelques instants, si ce n'est tout de suite, tout de suite. Oui, il y a juste à pousser, ouais, c'est pas... Oui, ça fait tomber tout, mais... Voilà la préparation des Men's Rugby Sevens. Les hommes de main. Boys Band, c'est un voilà. Nouveau Boys Band. Et qui, voilà les hommes de main de Tableau Escobar. Un sacré tableau. C'est reparti donc pour cette équipe de France qui peut-être. Non, je suis des non. Peut-être. Non, ils ne le méritent pas. Ils vont peut-être jouer maintenant. Ah, ils vont peut-être jouer, mais ils ne le méritent pas. Non, je trouve que nous sommes. Faisons preuve de beaucoup de mansuétude pour cette équipe qui nous a. Terriblement déçu hier. Ah ben j'ai compris pourquoi on est là. Enfin, nous c'est du round-up, c'est du mix-out. Alors j'ai peur de quelque chose, ouais. Merci Jacques, du mix-out. C'est du image-in. J'ai peur d'une... Je pense que cette équipe de France va se reprendre, Jacques. C'est du son off. Va se reprendre une tannée. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour messieurs, Sportaz 772, on les enchaîne en 13, on a fait un petit 12 vite fait, la nuit dernière une petite 12, et aujourd'hui c'est donc 773. En fait vous avez trouvé la technique hein, pour augmenter rapidement le chiffre des Sportaz, vous faites du rugby à 7, ça va vite, c'est sympa, et c'est gagné, bravo la France. Enfin de toute façon on est quand même toujours aussi peu nombreux, le team Sportaz... Peu nombreux, mais quelle productivité. Ouais, on regarde un peu là, le visionnage et les chiffres nous font peur. Mais on sait que ce soir, vous êtes quand même 4347 à ne pas pouvoir nous écouter. Et c'est quand même un sacré petit ouais, ça commence chiffre. À faire beaucoup. C'est parti cette partie, justement. Alors Jacques, raconte-nous ce que c'est quand même. Le rugby à Seven. Oui. Non, mais là pourquoi ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Voilà. C'est Noah. Voilà. Qui est pris d'entrée par les joueurs donc néo-zélandais. C'est un match de tennis rugby, vous allez voir, c'est assez intéressant. Ça va très vite, hein, ça se mâche pratiquement. Ça fait que ça tout le temps. Oui, parce que le jeune Joachim, Noah. Il est là, regarde. Hein, il est là, voilà, il est venu faire un tour, Noah. Olympique cette vanne. Alors. Jean-Louis, tu filmes bien, voilà, c'est bien Jean-Louis. Deux équipes qui doivent se racheter. Voilà. Et que ça vaut du ivre Sterling. Avec les Français sur le côté droit, le Captain Bourg. Ouais, mais il s'est fait débourrer justement. Intervention de monsieur Surprise, hein, qui lui aussi d'ailleurs a été pris au débeauté pour venir arbitrer ce match. C'était un boucher de Bilbao qui connaît un petit peu le rugby. Attention. Et c'est tout. Ah, excuse-moi, je précise un peu. Joaquin Tournoi. Sorti des candélabres pour la France maintenant. Baudelaire magnifique. Envers et contre tous, c'était Bourg Baudelaire. Bourg et Ratatam, Bourg qui se fait soulever. Ils se ressemblent tous ou quoi ? Il va se faire arracher le ballon, bien évidemment. Les autres sont surpuissants en face. Les autres, c'est qui d'ailleurs les autres ? Je ne citerai même pas leur nom. Les Néo-Zélandais, les All Blacks. Oui, mais. Quand même, un match de seconde zone avec les Français des All Blacks, c'est pas souvent qu'on voit ça. Donc c'est le rugby à 7. Et voilà, la fraîcheur. Ouais. Les niveaux territoires. Mais voilà, et finalement le rugby accepte tout et n'importe quad. Oui, merci Jacques, si tu as décidé de me faire l'almanach Vermeau pendant tout le truc, il faut me prévenir. Attention à ce ballon, on le lâche. Je cherche mes mots. Ils sont là avec l'eau mou. Super le mou. Et c'est néo-zélandais très rapidement dans ce match qui compte pour la 5e et 8e place, c'est vous dire l'enjeu. Allez-y les gars, allez-y. Mangez. Non, et rangez après. Quel public. Ah oui, ben là il est mal barré quand même. Hein. Il a les deux vigiles sur la place. C'est quoi ton problème ? Non, rien, écoute. Et on voit cette très belle percée. C'est-à-dire que Chauvman. Mais tout le monde est là alors. Hein, normalement on n'a pas prévenu, mais tout le monde est là.
Qu'est-ce que c'est que ça? Sportage 773, c'est pas plus compliqué que ça, en feuille de réglage. Hein, en même temps, il faut quand même prévenir l'auditeur, le téléspectateur, que justement, le passage au téléspectateur demande encore quelques efforts que nous tentons. Oui. Alors je m'aperçois que sur votre écran, sûrement chez vous, nous ne touchez pas la couleur. Hein. Nous avons mis une petite teinte sur la diffusion. On regardera ça peut-être tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça doit être un petit peu particulier. Chez vous, c'est légèrement fuchsia, enfin légèrement. Hein, c'est sympa. Ah, c'est assez sympa. Ah, hein, les couleurs sportazes personnalisées, bien sûr. Ah oui, l'arbitre est... Attention, avec noir, tournois. Mais l'arbitre est fuchsia chez eux, Jacques. Non, sérieux, là, il est... c'est assez sympa. Ouais, ouais. Sorti, un petit pas de coup de pied. Pas de couille au pied. Non, merci. Attention, Jackie. Oui, attention à ce que vous faites, Edith. La France qui attaque avec Jean-Pierre. Ne pas le laisser, c'est normal. Hein, Jean-Pierre arrive. Jean-Pierre arrive par là, il arrive par ici. Oui. Voilà, le bon vieux petit français qui enfin retrouve leur jeu. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Ils ont même marqué un but, les Français, et un essai. Voilà, c'est un petit hommage aux jeunes filles de l'équipe de France de football olympique qui, elles, sont présentes pour ce tournoi, contrairement à leurs homologues masculins. Vous écoutez Sportas Plus. Et là, vous revoyez l'action de l'essai français pour une égalisation, voire un dépassement. Ah oui, un dépassement, Jacques. Ils ont marqué un but en plus, donc je pense que ça vaut les deux points. Ah, il est parti. Celui-ci, c'est un bon quand même. Hein. Ah, on le connaît, un candelabre. Oui, candelabre, il éclaire le jeu français. Candelabre. Et il se brûle hein, d'aller faire marquer son coéquipier. Ouh, ça va vite, c'est dedans. C'est dedans. Combien reste-t-il déjà joué bon, bah, écoutez, première mi-temps, 2-37. C'est Cantona qui entraîne. Son frère, Julien Cantona. Frédéric, même. Oui, qui est dans le pommerol, hein, vous l'avez vu, il est dans le pommerol, il est vraiment... Ce type est complètement complet. Ah, alors là, ça, c'est une technicité intéressante aussi, on utilise la touche pour récupérer le ballon. Oui, alors j'aimerais surtout savoir pourquoi on est là, Jacques, pourquoi on est là. Ah oui, parce qu'il nous faut faire des tests, et puis nous aurons tout à l'heure l'occasion à 19h30 de faire le direct annoncé, donc des demi-finales réelles, de rugby à 7 réelles. D'accord, alors ce que je peux vous dire, c'est que sur votre image à vous, hein, normalement la qualité est un petit peu meilleure, mais ça saccade un petit peu plus qu'avant. Voilà, alors on essaye de trouver le bon compromis entre la bonne qualité d'image et le flux possible. On vous raconte tout, c'est un sportage un peu spécial, on vous raconte tout. Et effectivement, pareillement, pour trouver le Sportas en direct sur la chaîne YouTube, sur le site web, sais-je, comment expliquer ça? Eh oui, mais on ne peut pas l'expliquer à ceux qui ne nous reçoivent pas, c'est ça le problème, c'est qu'il faudrait qu'on mette un petit truc quand l'image est arrêtée sur la page. Ok, avec les Françaises qui en profitent quand même, il y a une minute, c'est passé, rien ne s'est marqué, ce sont les Français qui, 1, 2, 3, oui, il y a 7 à 5 pour l'équipe de France, d'accord. Allez, Jean-Pierre Romeu qui a sauvé, il a sauvé le défenseur, magnifique. Et le ballon va être récupéré par les Néo-Zélandais sur ce contre-rec. Et oui, c'est signalé par Monsieur Surprise. Monsieur Surprise qui, chez vous, est en fuchsia. Il est magnifique dans des chaussettes vertes. Attention, les Français, Noah qui a tenté une fausse passe au-dessus. Là, un dunk ou un panier à 3 points, je ne sais pas trop. Allez, au sol. Allez, on fait pousse, des contests. Noah qui fait de tout. Il a fait plus que du tout. Ah oui, là, il était amoureux. Ouh, là, par contre, la papasse pas du tout assurée. Il y avait des hors-jeu. Si, hors-jeu ou en avant, signalé par Monsieur Surprise. Il ne reste que 50 secondes dans cette première mi-temps de ce match de rugby à 7 entre la France et la Nouvelle-Zélande. 7 à 5. Et regardez ces couleurs magnifiques. Oui, ça tourne encore, mais ça saccade un peu chez vous. Voilà. Non, je regardais, j'ai éteint la lumière pour voir si ça faisait un changement. Un peu. Un tout petit changement. Oui, on essaiera. Attention à la voile, on voit l'Irlandais donc sur le bassin. C'est beau. Ces images voile, sont superbes. Il remonte donc en 4,70. Oui, il est bien. Il est bien avec le français derrière. Le navigateur qui tombe à l'eau. Oh là, le navigateur qui tombe à l'eau. Quel dégoût. Mais l'eau est bonne. Enfin, je sais pas où. Elle est peut-être bonne température. Ah, ouf. Alors, il s'est fait bouffer par un requin. Vous voyez, on voit la marque des dents du requin sur le front. Regardez-moi ça, c'est quand même impressionnant. Je croyais que c'était plutôt une installation art plastique. Ah, peut-être. Non, tu sais, après, tu vois. Non, tu sais, il se passe pas grand-chose ces temps-ci. Non, c'est sûr. Si, il y a des matchs partout, tu vois. C'est la folie. Mais à part ça, il se passe rien. Bah, c'est vrai que le sport, là, supplante le reste. C'est ça? Oui, on parle beaucoup moins de tous les ennuis, des déficits économiques, de ceci, de cela. Non, ouais, c'est nuit de boules de pétanque, l'été. Il n'y a pas la pétanque au JO.
Ah, pourquoi il n'y a pas la pétanque le, golf, ah, le golf est revenu avec la France qui est revenue aussi. Oui, essai français. Voilà, première mi-temps qui se termine relativement vite et bien. C'est pas vers la Nouvelle-Zélande qui faisait des essais nucléaires il fut un temps, les gouvernements français successifs. Que dit l'arbitre en avant? En avant, essai refusé. Avant. On dira nana. Et donc c'est une balle pour les Blacks. Donc nous sommes là pour les tests, mais... Personne. Tu entends? Quoi? Personne. Mais quoi, il n'y a personne? Oui, il n'y a personne, puisque personne n'a été prévenu. Non, c'est des tests, c'est des autotests. Par contre, à 19h30, c'est plus du test. C'est du détest. Attention, attention, les secondes sont arrêtées, le temps est... C'est toi, au sport, tu peux arrêter le temps. Introduction Blacks avec Black White. Black White qui cherche Green Bay. Green Bay, voilà, Green Bay, Green Grass. Oh, il est féroce. Ouais, il est terrible. Il est au sol maintenant. Oh, il n'y a pas d'en avant. Hein. Non, il y avait un petit coup de pied qui avait remis le ballon à l'intérieur. Effectivement, comme il est devant en position, il n'avait pas le droit de le reprendre. Que dit l'arbitre? Que dit l'arbitre? Pénalité, oui. Il a repris le ballon alors qu'il était devant celui-ci. Que vont-ils faire? Prendre les points, Jacques, ou tenter l'essai? Non, les points. C'est parti. Et c'est en drop là. Drop. Ouais, c'est pas. Drop again. Ah non. L'essai. Allez, c'est reparti avec les Français qui sont forts, qui se sentent forts. Mais c'est pas une finale non plus. Enfin, il y a du monde là, quand même, devant. Ouais, bien ça, voilà, bien, voilà, bien. Les gars, c'est bien. Ouais. Voilà, couche-toi, Sûr de leur technique, c'est pas mal. Allez. Et c'est français. Oui. Coucou. Et là, il ne sera pas refusé. Castelnau, qu'est-ce qu'il a fait un bras d'honneur, lui? Non, il nous a fait un bras d'honneur, Jean-Louis. Quoi ça? Jean-Louis, qu'est-ce que c'était que ce geste? On a les images, nous. Hein. Ah oui, on a tout, on va pouvoir même se les repasser. Belles images, qui marchent bien. Oui, ça se saccade un tout petit poil, mais c'est très mignon, c'est parfait. Pour l'instant, c'est du rugby à sec. Champêtre. Ah oui, on n'avait prévenu personne, là, c'est à sec. Voilà, transformation loupée, quoi. Quel con. 12 à 5, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, ça va vite la mi-temps. Rugby à 7, ici, en direct de 3 à Rio. Cal à Rio. Petite mi-temps, si vous avez un étui à cendre, vous m'allez. Ça, je peux vous le dire. Hein. On t'a demandé quelque chose? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Pour l'instant, nous ne recevons aucun message, rassurez-vous. Hein, nous testons tout, nous regardons tout, nous surveillons tout. Tu ne trouves pas ça un peu puéril? Pas du tout. Attendre, il y a un moment où... Attention, il y a une action. Ah mais non, c'est un ralenti. Ok, Jean-Louis se règle aussi. Oui, il ralentit. Et nous aussi. Ils se ralentissent même plus, maintenant. Oui, petite pause. Soit que les micros sont restés ouverts, vous avez donc tout entendu de ce que nous faisions. Non. Ah si, si, ils sont ouverts. Ah non. Deuxième mi-temps, ça va très vite. Même pas le temps d'une orange pressée pour ces rugbymen à 7 qui sont donc invités donc, dans ce tournoi olympique, au même titre que les golfeurs. Hein, à partir aujourd'hui, le tournoi s'est ouvert. Donc ça, c'est quand même assez curieux, non? Oui, ça devient curieux, de toute façon, les Jeux Olympiques. Le sport en général, certains sports en particulier, que nous ne pouvons plus commenter, des sports à fort potentiel de dopage. Donc nous testons encore sur des sports qui restent corrects. Oui, qui restent. Potentiellement corrects, bien que le pari sportif ait lui aussi une influence forte dans ces compétitions modernes. Oui, aussi. Alors, bien, c'est reparti entre les deux formations qui se battent. Imaginez pour la 5e ou 7e, 8e place, on ne sait pas trop, 5e, 6e.
Enfin, c'est vous dire la misère de ces deux rugby qui ont, il fut un temps, gagné des trophées. Okay. Ouais. On va dire que c'est reparti. Allez, ouais. Les Français devant, 12-5, mais ce sont les All Blacks qui récupèrent ce ballon avec un raffut. Ah, et oui, il est passé. Blue Black. Oh, et puis il va y aller tout seul. Blue Black, tout seul. Blue Black. Oh là, il a, oui. Non, oui, viens là, viens là, qui tu veux. Qu'est-ce qu'il y a mis? Ah, il aura essayé quand même, le Français. Non. Ah ouais, bah, le buffle néo-zélandais l'a écarté. Vous allez voir, hein, le léopard français qui essaye de l'attraper. Bah, mais le buffle est trop fort. Regardez-le, déjà il échappe au premier, hein, tranquille. Et là, c'est la galopade. Le copain arrive en travers, regardez, le buffet là. Et la gazelle française essaye, mais non, tu m'auras pas. Qu'est-ce qu'il prend? C'est terrible. Oui, ça tourne. Non, je regarde les statistiques quand même. Beau, très très beau. Alors du coup, quand même, ils prennent leur temps. Viens pas m'emmerder, toi. Mais viens pas m'emmerder, je t'ai dit. Ah ouais, il valait mieux pas l'emmerder, effectivement. Et c'est dedans. Et c'est dedans. Et c'est confirmé. Alors pour la transformation, ça va être un peu délicat, mais sait-on jamais. Non. Avec le rebond. Ouais. C'est amusant, ces transformations au rugby. Fausse transformation, oui, parce que c'est du drop, quoi. Oui, c'est ça. Oui. C'est un drop. Et du coup, le renvoi est c'est départ, les Néo-Zélandais. C'est une règle que je trouve très intelligente. Oui, enfin. Une évolution dans le rugby, hein, qui a très très peu bougé. Alors, des tournois, c'est fait rattraper par l'arbitre qui. Non. Pour l'équipe de France, pénalité même. Ouais, avec 7. Qui mène toujours 12-10. Pour Agde, Montpellier, par-dessus, pas mal. Ouais, mais directement en pas mal en touche. Ouais. Ah, il me dégoûte. Hier soir, déjà, ils m'ont pourri la nuit, ces cons. Voilà, il me dégoûte. Oh, non, c'est des jeunes joueurs. Non, c'est bon, Jean-Louis. On n'a pas besoin du bip là. Je pensais que le. Non, Jean-Louis, ça va. Ouais. Oui, Jean-Louis se prépare, hein, pour tout à l'heure, ça va être du brutal. Vous allez écouter. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? J'en sais rien, madame. Allez, c'est parti. Ah, le ciel est magnifique. Sur nos écrans, il doit être magnifique. Le ciel, il a une espèce de bleu fluo. C'est superbe. Los Blacks. Yeah, les Blacks sont là-bas. Il monte. Avec Black Spotation. Encore lui. Okay. Encore lui, non, il veut faire comme l'autre. Oh là là. Il va tout seul. Qu'est-ce qu'il lui a mis? C'est la deuxième mi-temps, ils sont un peu fatigués. Émoussés. Oh, mais dis donc. C'est ça le rugby à 7. Attention, ça va vite, pour faire tourner plus vite, quand même. C'est ça le rugby à 7. Donc, s'il donne la balle à 1, il galope. Non, mais c'est-à-dire que s'il se fatigue exprès aux premières mi-temps, il y a une stratégie comme ça. C'est vif, c'est sec. Donc, effectivement, on peut se surprendre avec. Des coups de barre en plein match. Ah ouais, là, comme il faut, le coup de barre qu'il lui met, dis donc, c'est barre à droite, et tout en avant, et goal. Et c'est pour les Néo-Zélandais qui sont en train de, effectivement, rappeler à tout le monde qu'ils ne sont pas quand même des tocards. Non, s'ils ne sont pas en quart, ce ne sont pas des tocards. De finale. Merci Jean-Louis pour ce ralenti, ralenti gratuit. Jean-Louis ralenti de père en fils. Ouais. Il attend le petit-fils d'ailleurs. C'est reparti transformation magnifique par contre. Inda Poto. Oh, ça c'est beau ça. Et All Blacks qui nous passe largement devant. Ah, non, pas largement, essai, mais 17-12. Un petit essai non transformé d'écart, mais on sent quand même qu'il y a chez eux une certaine volonté maintenant de nous égorger. Quoi. Je veux dire que. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Mais on voit, ça fait deux fois que vous nous posez la question. Hein? Oui, allez, Bourbourg. Oh là là, Bourbourg, ratatam une fois de plus. Boulgour, pardon. Non, ils font pas beaucoup de blé dans ce jeu-là. Ah. Ils se gourrent beaucoup au boulot. Là, il s'est un petit peu gouré, effectivement. Il aurait pu faire autre chose puisqu'il perd le cuir à 5-6 mètres de son embu. On écoute Jean-Louis qui travaille pour ce soir. Jean-Louis à la basse. Oui, car ce soir, à 19h30, un Fidji-Japon. Ah oui, tout de même, hein, du première main, là, de 3 étoiles rugby. Ça, ce sera 7 étoiles. Ce sera du aéré, du champêtre, du galopant. Prise de risque assurée, de la variation de jeu. Et là, les Blacks nous auront un petit de plus. Il y a le bras long. Ah oui, et le ballon en même temps, donc, ce qui fait que ça fait essai.
au bout du bras long, oui. Il a le ballon. Alors, c'est aussi con que ça, le rugby à 7. Et bien, rugby à 7, moi, au départ, je pensais que c'était à 7. Tu vois, la 7 est très, très fin. Ah. Et donc, je trouve qu'ils sont quand même costauds, les types. Hein. En plus, c'est bizarre, parce que l'été, la 7, c'est bouché. Bam. What a bad blues. Essai, All Black malheureusement transformé, la France prend la flottée par la gueule maintenant, c'est le déluge. Le public est content, il y a de l'essai. Il reste moins de 2 minutes, même bientôt moins d'une. Alors, bon, c'est vous dire. Hein, bah ouais, bah ouais. Ouais, 24 à 12 pour les Néo-Zélandais. Allez-y, Jacky, vous avez raison. Oui. Qu'est-ce que... Attends, il menait 12-10 il y a 30 secondes. Et là, 3 essais d'affilée, 3 essais encaissés. Et puis qu'il y a des paroles peut-être un petit peu plus politiques. Ah, la France coule. Ouais, la France, effectivement, là, se fait laminer dans ce tournoi. Pas clair, hein, parce qu'on attendait beaucoup de médailles aujourd'hui avec l'aviron. Oui, bon, tout ça, les médailles, ça c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est cette mentalité à rechercher absolument l'or, la médaille. Même. La performance peut-être, effectivement, être la bon. L'amélioration de son... Voilà, son etc. Score, mais on n'entend plus ces critères-là d'un point de vue du journalisme spectaculaire, y compris sur les services publics, je trouve. Qu'avant. C'est une guerre de coups bétain, quoi. Avec les Néo-Zélandais pour ces 20 dernières secondes, largement entamées même. Et donc, ces Français qui n'ont fait qu'une perf. Une passée sans passer. Ils ont fait chier les Australiens là, sur l'entrée du truc. Ouais. Et puis et du coup, ils ont mis les Australiens dans l'embarras. C'est vrai qu'au saut à la perf, ils ont été bons. Ils ont sauté les perfs, ils n'en ont fait qu'une. Oui, contre les Australiens à perf. Ouais. Merci, Isaac. Nous sommes perfides. Arrête, on va en prendre un dernier. Ils jouent, alors que c'est fini. Un petit dernier, allez, pour les Blacks, pour nous remettre à notre place. Non. Alors l'équipe de France va essayer bien sûr d'en marquer un, donc ce match peut durer jusqu'à on ne sait pas quand là. Ça devient quand même un petit peu dangereux, les amis. À moins qu'il fasse une bêtise comme ce petit en avant, non, pénalité pour les Français. Il s'en va, champ de l'arbre. Patrick de l'arbre, avec le feu au cul. Allez, Boulgour. Yeah. Boulgour, non. Ils vont les laisser marquer. Ah, peut-être pas. Double retourné. C'est pas sûr. Alors que Jacques tourne-toi. Allez, grand large, non. Grand large. Oui, Kiki. Un petit tout droit. Non, il est plus malin que ça. Ah, bien sûr, de toute façon, sinon il va en touche. Alors, il essaie de pousser tout le monde, mais il va se faire confisquer le cuir. Ils sont peut-être 3 sur lui. Et puis alors. Ils sont nombreux là. Et puis l'autre, il ne peut pas intervenir. Non, il n'a pas le droit, non. Il n'a pas le droit d'attendre qu'il se couche, et s'il se couche, c'est foutu. Il se couche et c'est foutu. Ah non. Ça joue, les gars. C'est curieux, français, voilà. Oh, ça clora ce match sur une petite chose sympathique, mais bon. Et c'est français. Le Sportage. Oui, Sportage 773. Voilà. Très curieux, hein. On aurait pu commencer à vous compter les numéros de Sportage Plus. On oublie ce plus. On oublie il est là, le Sportage Plus. C'est pas loin, l'image tourne toujours, elle est très belle. La base, c'est Sportage, et puis Sportage Plus. Pour le reste. Le plus. On se retrouve dans quelques instants, 19h30, pour une vraie demi-finale entre les Fidji et le Japon. Et ensuite, ce sera 20h du brutal entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Les Fidji. Une petite boisson fraîche, tout ça, et on va revenir bien sûr dans quelques instants. C'est ça.